Oh non, non, bah, mais il est abruti aussi. Oh, dans le nom de Dieu. Il fait quoi là? Voilà le chantier que je fais deux fois par semaine depuis quelques semaines maintenant. Un beau chantier, je dirais un chantier de merde, mais non, c'est un bon chantier. C'est juste qu'on patauge dans la merde. C'est juste ça. 17 hectares, il y a 25 cellules, c'est un truc immense. C'est un truc immense ce truc là. C'est une plateforme logistique pour une grande chaîne de magasins de bricolage. Style Darty, But, Conforama, Castorama, enfin un magasin comme ça quoi. Donc là, 17 hectares d'entrepôt de stockage. Ouais, un pick-up, c'est la fête. Et n'est-ce pas le triomphe absolu de la science que d'avoir permis qu'aujourd'hui, sur la seule décision d'un vieillard californien impuissant ou d'un fossile ukrainien gâteux, l'homme puisse en moins d'une seconde faire sauter 40 fois la planète sans bouger les oreilles? Eh oui, eh oui. Ce n'est pas moi qui l'affirme, Dieu Trépote. C'est Fucius qui l'a dit. Il a oublié d'être con. Et Fucius a dit, une civilisation sans la science est aussi absurde qu'un poisson sans bicyclette. Aussi bien allons-nous procéder scientifiquement pour savoir si Nantes est bien en Bretagne, c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Prenons une nantaise, une belle nantaise. L'œil doit être vif, le poil lisse. Portons-la à ébullition, que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que la nantaise est biodégradable. De cette expérience, nous pouvons immédiatement tirer une conclusion extrêmement riche en enseignements que je résumerai en une phrase. Nantaise bouillue, nantaise foutue. Nantaise bouillue, nantaise foutue, c'est ça. C'est prodigieusement intéressant, direz-vous, pour peu que vous soyez complètement taré. Mais cela ne nous dit pas avec précision si la nantaise est bretonne ou pas, ou les deux. Qu'à cela ne tienne, procédons à une seconde expérience. Pour cette expérience, nous n'aurons pas besoin d'une nantaise. Son petit chat suffira. Quand je dis petit chat, je pense évidemment. Mignon. La chanson du jour, les Saintes Majestés, Petit Papa Noël.
casser le bordel. Il avait même pas été sage. Ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie. New York à Kabul City. Et si tu descends comme un dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié. Surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité. Mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, nous irons avec ton flingue. En bas, y'a plus que des dingues. Mais tu n'oublies pas les enfants, ils t'entendent impatiemment. Même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands, sois sans pitié. Surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu veux voir le BTM, n'oublie pas les sous-marins, ils t'attendent impatiemment. Mais mon gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Crois-moi, une vraie boucherie, New York à Kabul City. Petit Papa Noël, petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce rouge. Commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche. Je suis désolé pour le temps que mettent les vidéos à venir. J'ai pas trop de temps en ce moment. J'ai pas mal je suis pas mal pris mes week-ends et en semaine c'est un peu compliqué. J'ai donc deux autres vidéos là qui vont arriver prochainement, ou ça se trouve il y en a une qui est déjà mise, je sais pas trop encore dans quelle heure je vais les mettre, mais vous inquiétez pas, ça j'arrête pas, je continue. Voilà, et bien il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures.